Et bonjour et bienvenue sur Total War Coliseum. Cet après-midi, c'est Gauthier et on continue avec la présentation des nains du chaos. Hier, nous avons présenté Zatan le noir. Je crois que c'était Zatan, effectivement. Zatan. Qui commençait un peu au-dessus, juste à côté de Kataï. Donc aujourd'hui, on avait fait presque une quarantaine de tours, mais aujourd'hui on va aller voir Astragoth. Alors attendez que je note tout bien. Astragoth, main de fer, a quitté Zorn Uzgul pour asservir la populace restante des Terres Sombres, qui travaillera avec acharnement pour alimenter ses industries de conquête et de guerre. Les disciples d'Ashout. Donc voyons voir, on commence avec un travailleur gobelin, hacheur centaure taureau, ça c'est pas mal, hache double, travailleur orc, tromblon nain du chaos et guerrier nain du chaos à armes lourdes. Donc les effets de faction avec Astragoth. Donc influence du conclave obtenue de toutes les ressources. 10%, d'accord, je comprends mieux pourquoi hier monsieur était devant moi. Au niveau du conclave. Taux de recherche plus 10%, c'est pas mal. Autorité plus 2, toutes les provinces, c'est pas mal aussi. Effet du seigneur, donc on a la capacité passive sur activité mécanique, qui est une optimisation pour lui-même, qui peut le tchéter jusqu'à 15% des dégâts des armes de base et plus jusqu'à plus 8 en attaque en mêlée. Taux de reconstitution des victimes, 5% armée du seigneur, ça c'est j'aime bien. Et résistance ultime, 15% pour les hacheurs. Centaure taureau, donc Astragoth, lui, va plutôt tchéter les centaures taureaux. Parce que je vois. Alors, où est-ce qu'on commence? Eh bien, on commence pas très très loin non plus. Zatan commençait ici. Nous, on commence là, il me semble, au nord des terres sombres. Et sans plus attendre, on va commencer avec ce monsieur aux jambes mécaniques. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, les nains dans le monde de Warhammer, techniquement, ne peuvent pas utiliser la magie, ils sont imperméables à elle. Mais le fait que les nains du chaos soient adorateurs d'Ashout, Ashout leur permet d'utiliser les vents de magie, mais en contrepartie, ils se transforment petit à petit en pierre. Plus ils vont utiliser la magie, plus ils vont. Il y a un petit décalage souris-écran. Ouais, je sais, je l'ai toujours eu. Je sais pas d'où ça vient. Shadow, pourtant, je suis en 1920. C'est retransmis en 1920. Enfin, 1080 plutôt. J'ai toujours eu ce décalage. Pourtant, je l'ai pas avec tous les autres Total War. Pourtant, j'ai toute l'autre saga que je stream aussi. Aucun souci. Total War, je ne sais pas pourquoi j'ai ce décalage de souris. Donc ouais, désolé pour ce petit décalage. Que je ne sais pas comment. On avait eu ça il y a plusieurs années, je ne sais plus d'où ça va. Ouais, en fait, Alors là, pareil, là, pourtant, c'est le seul. Au pire, je me dis, bon, ça me le fait dans tous. Je me dis, c'est un problème, tu sais, de. De toute façon, ça doit être un problème d'escale ou quoi. C'est comme si le jeu. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quoi. Pour que ça me le fasse que sur Warhammer 3 en plus, Warhammer 2, j'avais pas ce problème. Ainsi le veut Ashout. Bon, on a les tambours de guerre, bon ben j'imagine que c'est oui, à peu près les mêmes mécaniques. Donc on a la forge de l'enfer, ça c'est pour augmenter le nombre d'unités style homme bête. Ouais, c'est les hommes bêtes qu'ils avaient, ouais, c'est ça. Ils avaient fait ce système là avec Torox. Donc là, bon ben là, il faut juste avoir une autre ressource qui est l'armement. C'est pour pouvoir débloquer les manufactures, c'est oui, c'est des bonus pour les unités. Donc on a la tour de Tsar, c'est pareil, c'est une grande tour. On va prendre des bonus. Par contre, oui, on est en.
On n'est pas en guerre, on est en compétition, voilà, avec les autres nains du chaos. Donc ici, convoi militaire, c'est à peu près un peu la même mécanique. Eh ouais, j'ai fait un. Ouais, d'accord. Oui, c'est avec. D'accord, attends. Ben, tu sais quoi? Je vais arranger ça de suite. Immortal. Ah ouais, je sais pas pourquoi je l'écris comme en espagnol. C'était là. Normalement. Oui. Donc attends, ouais, je mets le M à la place du N. Alors c'était où? C'était là, là. Voilà. Allez hop. Voilà, normalement c'est bon. C'est fait, c'est parti. Allez, let's go. Donc seigneur non déplacé. Qu'est-ce qu'on a là? Zorak. Elle était bien mignon, toi. Ah d'accord, il va falloir choisir dans une des trois. Charge meurtrière, bon j'imagine, ouais. Bonus de charge, accélération et tout. Agent efficace. Ou gardien du temple. Gardien, c'est résistance physique. Ouais, mais portée de l'effet 35 mètres. Donc à tous les. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, je commence où là? Usculac. Mais j'ai pas. Je capte pas bien là. Ah ok. Ouais, on est en pleine dans. Ça, c'est les montagnes du bord du monde. Ok. Et elle est où? Elle est là. Et nous, on est juste en haut. Ouh. Alors, Usgulag. En plus que Usgulag, ils nous mettent deux bâtiments légendaires. Trois? Non, deux. Centre-ville ancien. D'accord. Donc là, on a la chaîne de montage de mèche en Gromril. Des patrouilles. Toi, viens là-dedans. Entraînement en plus, ça c'est bon ça. Alors, Astragoth. Parce qu'Astragoth. Ah, mais en fait, oui, j'allais dire, il est tout petit. Mais oui, c'est un nain quoi. Ah, et du coup, il est assis, quoi. Ouais, il est assis, il peut plus utiliser les jambes, quoi. Donc. Feu létal, propagation, cap embrasé, nuage de cendres, épée ardente de ruines. Ouais, c'est pas mal. Quête. Qu'est-ce qu'il a comme objet? Le manteau de pierre, capacité manteau de pierre, résistance physique. Ah mais ça lui enlève de la vitesse. Résistance ultime, risque initiaux d'échec. Et après on a le marteau noir d'Achute. La capacité c'est quoi? Dégâts inflammables. Dégâts des armes de base 50%. Armes perforantes 50%. Durée 32 secondes. Autorité plus 1. Puissance des armes 15%. C'est pas mal quand même. Hein. Alors. Donc ouais, ce que je vois, c'est un mage, mais un mage qui va se défendre au corps à corps. Quoi. Putain, mais c'est plus attendre. Fais voir toi là. Une victoire de justesse. Non. Ah ouais, il a des. Oh, je vais quand même tester ça de plus près, quoi. Je vais quand même tester ça de plus près. Ouais. On va voir. J'ai pas vu les. Hier, on a vu les tromblons. Puissant, mais courte distance. Ouais, courte distance, quoi. J'ai pas vu encore les centaures taureaux, là. Bon, les travailleurs et tout ça. Bon, mais c'est du style. Esclaves chez Skaven et tout, c'est du. La chair à canon. Bon, les guerriers nains du chaos, c'est des nains.
voir ce qu'il donne à Stragoth là. De toute façon, t'en as pas des masses, non? T'as rien même. Il a quasiment rien. Donc ouais, on va voir ça plus près, c'est voir Astragoth. Tête. Ah ouais, les petites têtes là. Hop. Ouais, travailleur orc, voilà. Attends, les travailleurs orc par contre. Une espèce de masse. Non, les gobelins. Ça arrive du gobelin. Il me semblait bien. Hein. Ah, j'en ai pas là. Il me semble bien que le haut gobelin, il a des oreilles vachement plus grandes. Donc les troglons et les hacheurs centaures. Si j'ai bien compris, c'est des nains... qui ont reçu des cadeaux du chaos, quoi. Les cadeaux du chaos, de toute façon, c'est toujours des transformations un peu. Bon, allez, on y va. Tu sais quoi? On va utiliser en première ligne derrière. Ah si, quand même, je disais, il a pas de domaine de feu, donc c'est quoi, la cape embrasée, et on a la colère ardente. Ah bien sûr, ils vont pas venir. Ils vont pas venir, bon on va y aller tranquille. On pousse par là, là. Avancer le temps tranquillement. Alors, en combien de vitesse? 28. Du coup, Astragoth, là, avec ta... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Et bien sûr, il est rapide pour un nain. Mais vous? Ah ouais, c'est... Vous êtes lourds, quoi, les gars. Vous êtes lourds. 62, ouais. Astragoth, il... On m'a dit... Ah, ils sont lents, hein. Ah, par contre, ils sont lents. Bon, ben, et commencez à charger là, et vous pareil, hein, allez-y quoi, hein. On y va. Je vais les tromblons sur ça. Ouais, faites de la masse là. Tromblon, viens ici. Ouais, va aider. Par contre, toi, je vais te mettre... Alors, qu'est-ce que... Ah ouais,
ça génère un vort. Ah ouais. Ok, et j'avais pas des trombons par là, si. Je crois que voilà. Voilà, voilà. Tromblon. Le temps que ça, ça tienne. Ils sont en train de faire un bon taf là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Rentre au combat. Allez les gars. Hop. Voilà, voilà. Donnez-moi ça. Eh ben il fait pas le fier là le chef orc hein. Mais eh ben, il a pas fait le fier le chef orc là devant le. Devant le centaure taureau. Bon, les orques noirs, ils ont tué pas mal de, gobelins, mais ça c'est normal. Par contre, les tromblons, ils les ont bien calmés. Astragoth, main de fer. Donc pareil, hein, je pense qu'on va faire un peu comme hier. On va faire une vingtaine de tours, une trentaine, voire. Il restera quand même... je me souviens pas comment il se... De son prénom, là, au troisième seigneur nain. Faudra peut-être le présenter aussi. Quand même. Alors, main d'œuvre. Enfin, si je vais prendre 10. Alors, livré, ok, oui. C'est vrai. Donc, Astragoth, je te mets marcheur. Ah oui, non, mais t'aurais dû le laisser, t'aurais dû le laisser. Allez, hop, alors. On va se mettre à un petit poste avancé. Ah, bien sûr, les Lamassu, ok. Donc pour l'instant, présence charismatique. Alors, toi, entraînement direct. Ah, mais ça, c'est pas mal si je peux avoir un grand taurus. Les plus hauts tours. Commencez avec ça. Alors, voyons voir un petit accord rapide. Le clan férique. Ça m'intéresse pas trop. On est en guerre contre les esclaves de Zarf. Il leur reste le fort. D'accord. Ah,
On est pas mal, on est pas mal. Ok. Prochain tour, on prend le fort. Comme ça, on a notre première petite province. Ça descend déjà. Alors, ouais, avant qu'il refasse une autre armée. Par contre, je préfère quasiment sortir de l'orque. Victoire à la Pyrrhus. Tu peux les refaire. Hein. Je vais les refaire. Alors ici, on va mettre une usine. Alors, Zornbulle, c'est bon. Ah, mais ils t'ont même mis ça pour les hobgoblins. C'est pas beau, ça. Alors, colère ardente, feu létal. Monsieur, spécialiste de survie. Va peut-être améliorer un peu la défense. Soumasta Leginaras. Ok, alors qu'est-ce que tu veux? Une. Je préfère quasiment une frontline des gorgeurs au gobelin. Hein. Bien sûr, on va faire ça et on va attendre. On va attendre le prochain tour pour recruter. Ici, bah, tu sais que tu peux améliorer déjà ça. Alors, du coup, on va peut-être faire les autres nains. Frénésie, ok. Mais on gagne combien? 110 et 6, c'est pas des masses. Mais bon, on va rester comme ça. Alors, comment ça se passe là? Ça se passe, qu'est-ce qu'on a au nord? Au nord, on a... D'accord. Ah, il y a... Karad-Doum. Le chemin de l'Est? Cracheur de glace et pic du blizzard qui doit être par là. Mais je pense que je vais me mettre par là parce que là, ici, là, on a quand même le désert flétri où c'est. On va le laisser là. On est bien protégé, je pense. Il n'y a que ce passage. On va aller vers le chemin de l'Est. Je vais prendre le chemin de l'Est. Hier avec Zatan, il a fallu tuer Grimgor direct. Sinon, laisse tomber le bordel qu'il fout là au milieu. Technologie, ok. Alors, préparation aux pandémies. Chaos universel, main d'œuvre. Moi, je pense que c'est plutôt ouais. On va partir sur la main d'œuvre, quota de main d'œuvre, qui va être assez important. Alors, on a combien de main d'œuvre ici? Ok. C'est 4000. C'est pas d'une.
Voilà, alors en plus on les améliore de niveau comme ça. Donc, bon, on se fait petite frontline de 3 nains comme ça. Du coup, très bien de la fourbasse hobgoblin de chaque côté et derrière un peu de d'archer hobgoblin quoi, histoire d'avoir du projectile. Alors, on est pas mal hein. On serait pas mal. Tu sais quoi, on va améliorer ça, le camp des superviseurs. Slanferic, je vois pas où il est, il doit être par là, là-haut là. Ah bah c'est peut-être lui qui a Karad-Dôme. Alors, est-ce que ici on a des bâtiments pour nous? Donc on a ces deux là. Où est-ce qu'ils ont foutu d'autres? Ici. Donc il y aura ce bâtiment là. Et pour l'instant j'en vois pas d'autres. Ok, bon, on va continuer. Hein. On va aller sur le pic du sable. Je crois que c'est des ogres, ça, non? Quasi, Henry, quasi. Non, en verdad, non. Et los hobgoblins molan. Son unos incomprendidos. Ah, parce que les hobgoblins, eux au moins, je crois que dans le lore, c'est pas les esclaves, hein, comme je disais hier. Il me semble que c'est des alliés, quoi. Les nains du chaos. Alliés. Si je dis pas de bêtises. Donc on a dit de la fourbasse. Comme ça, sur les côtés, avec derrière, de l'archer. Et on serait pas mal, ça 3 tours, ben, 3 tours comme ça, mais je préfère préparer mon armée et aller vers eux. Alors eux c'est quoi là, les pots de sabre? Je suis sûr c'est des ogres ça, les pots de sabre. Ouais ouais c'est les ogres, c'est grotte. Oh mais ben, grotte. Comment dire, ça m'intéresse. Salut Alfti, comment vas-tu? Je commençais quoi, petite demi-heure à peine. Avec le nain aux pattes mécaniques. C'est lundi de Pâques là en France là, non? Si je dis pas de bêtises. Main d'œuvre obtenue post-bataille. Bon, ça c'est bon. Alors, 2 tours, sois patient. Au bout de 2 tours, c'est bon. Tu peux. Pour aller conquérir le monde. On va améliorer les hobgoblins, le syndrome du bastion. Entretien pour toutes les. Pour les infanteries de travailleurs et les hobgoblins. Et attaque de mêlée 4 pour les infanteries et travailleurs. Enfin, les hobgoblins et les travailleurs. Ok. Oh, on peut en envoyer. Superviseur des ogres. Ah, commandant monstrueux, t'as des bons. Alors, il va nous falloir de la main d'œuvre ici. Le grand hall de gré. Ah oui, mais ça me coûte. Tu regardes, voilà. Là, la volée par exemple.
la volée. Ça nous rapporterait 404 de main d'œuvre. Et ben on va l'envoyer. Allez, petit convoi militaire qu'on envoie pour aller chercher de la main d'œuvre. Ouais, c'est ça. Bien, bien. Alors chaud en Espagne. Ouais. Alors moi, bon, je suis comme ça, mais franchement, il fait beau, quoi. Hein, un peu trop même, je trouve. Franchement, on a eu même le mois de mars, là, c'était assez terrible, avec des 30 degrés et tout, pour un mois de mars. Et là, ouais, là, il fait super beau, quoi. Bon, on a dit, ouais, on attendait deux tours, c'est bon, j'ai fait mon petit truc, on a envoyé. Yep, lundi de Pâques, ouais, c'est bien ça, hein. Eh bien moi, FT, je reprends demain. J'ai eu toute la semaine dernière de vacances. Et je reprends demain. C'est dommage que les vacances soient pas cette semaine. J'aurais fait plus sur les nains du chaos, par exemple. Mais bon. En Espagne, c'est avant. C'était parce que il se base sur jeudi et vendredi saint. Donc du coup, ben, demain, je reprends tranquillement. Ça fait 10 jours, hein, je viens de me taper 10 jours. Alors, rencontre de convoi, forge de l'enfer en poche. Donc, un chevaucheur de loup hobgoblin s'apprête à partir avec un ravitaillement de surplus d'armurerie amélioré de la forge de l'enfer pour le convoi. Tout en nous assurant de lui confier autant que sa monture décharnée est capable de porter, nous devons également décider quel équipement fournira au convoi les meilleures chances de repousser toute menace éventuelle. Donc on peut maniement de la destruction, attaque et puissance, ou d'accord. Bon ben lame de hache affûtée. Armure plus solide. Ah, le soleil dentu. Je les voyais avant, hein, mais bon. Ici, c'est vrai que ça s'améliore avec de la matière première. Si je fais ça... On va attendre parce que c'est toute ma matière première. Prochain tour, on peut bouger. On va aller... T'es sûr? Bah non, je suis pas sûr, mais bon. C'est soit lui, soit partir dans le désert fétide, là. Pas de soucis, Yandero. Voilà. Bon, mais c'est nickel, alors. Comme ça, il peut présenter les autres modes. Il y a encore un seigneur à présenter. Moi voilà, c'est couvert, quoi. Alors, rencontre de convoi. Démon affamé. Tu sais que ça va être difficile, là, hein? C'est ma caravane! C'est ma caravane! Ah, je suis blasé, quoi. Je viens de l'envoyer, je viens de se faire intercepter par une armée du chaos. Alors que moi aussi, je suis adorateur du chaos. C'est une honte, Alfti, c'est une honte.
Kill As. Kill As. Ben, pas grand chose à faire à part vous là. Tremblon sur le côté. Le seigneur au milieu. Lamassu. Taureau. Alors, voyons voir le Lamassu de plus près. Alors, ce qu'il y a, c'est que la lumière est... Voilà. Il y a la lumière. Lamassu. Alors, en plus, il a flétrissement. Ok, une fois. Et il a... affaiblissement. De l'autre côté, nous avons un grand taurus. Et nous aussi, en Espagne, on a des grands taurus comme ça. Ils ont pas les ailes, mais bon. Ah ouais, c'est un taureau de Lydia surboosté. Donc là, c'est le grand taurus qui vole. En fait, ah d'accord, je vois, il n'arrête pas de bouger, mais c'est parce qu'il donne des coups de corne en fait au vent. Il est nerveux. Bon, ben on va voir. Hein. C'était pas prévu de se faire intercepter comme ça là. Mettez-vous juste devant le fossé. Ok. Tremblon. De toute façon, même si je la gagne, la caravane elle va être dans un sale état. Tremblon. Ah, je vois rien. Ils vont pas pouvoir tirer, tu vas voir. Si, non, si, non. Ah, du coup, c'est garder du chaos d'Albarde. Ça, il va falloir que... Ouais. Il faut tenir la charge. Oh, Lamassu, tu vas t'occuper d'eux pour l'instant. Ok, alors toi tu viens là au milieu, pareil. Ouf. Ah ouais, venez par là. Oh là là, le seigneur. Eh ben aide le Lamassu parce que je trouve il a des soucis là. Allez, allez, tirez à bout portant s'il faut. Oh non, toi tu reviens là. Tu reviens à la bataille là. Le taureau, comment ça se passe? Allez, guerrier du chaos là. Ça fuit, ça va revenir. Ça va sans doute revenir. Allez, faut tenir les gars, faut tenir. Ouais, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça allait revenir. Feu, feu, feu!
Franchement, le géant du chaos, allumez-le quoi. Allumez le géant du chaos là. Feu, 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 feu sur le géant, les deux là, les deux là, les deux sur le géant. Feu sur le géant. Voilà, feu sur le géant, feu sur le géant. C'est bon. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas que le. Waouh! Facilito! Los troblones! Mais. Waouh! Tromblons là! C'est les tromblons qu'on fait la bataille. Hein. Et le truc, c'est que il y a un tromblon, il s'est fait charger par des trolls du chaos et des albards du chaos quand même. Il s'est fait charger par ça et ça, quoi. C'est pas rien. Bon, les bestioles, plus que du kill, je pense qu'elles ont, elles ont bien tanké quand même. Bah peut-être que ça va falloir régler un peu leur cadence de tir, ouais. Henry, ouais. Va peut-être falloir leur dire de peut-être de régler un peu la cadence de tir des tromblons parce que c'est. Je trouvais aussi que ça rechargeait bien rapide et. Ouais, reconstitution, hein. Ah oui, mais c'était la. C'est vrai, ça en plus. L'appel de la guerre. Ah, mais maintenant que je sais que les tromblons, voilà quoi. Je crois que. Very well. Fait délire comme un coup. Donc, bah on va essayer. On va essayer. Alors, les ogres. Ah, mais vous êtes parti vers l'arrière. On va tester les ogres. On va alors, hop, comme ça il me voyait pas arriver. Ah, c'est bon. La tour qui se compose ici, comme vous voyez, de 4 niveaux en fait. On gagne des points de conclave, de l'influence, qui nous aide à débloquer. Donc il faut quand même faire attention puisque les autres factions naines sont dans la course. Eux aussi, ils débloquent.
Bien sûr, là, il faut 75. Au niveau 2, il en faudra 150, je crois, et ainsi de suite. Et j'imagine que on arrivera là-haut et ça sera vraiment... Ah! On a carrément le conclave déverrouillé ce niveau en terminant deux quartiers. Donc ici, on pourrait carrément faire une confédération avec la Légion d'Asgore, avec les serviteurs du conclave et avec l'os de guerre de Tsar. Ça, c'est ce qu'on avait hier avec Zatan. En fait, arriver tout là-haut, d'accord. Et là, la confédération des nains du chaos. Et en plus, si on remplit chaque quartier, ça nous donne encore plus de bonus. Donc, ici, on est sur le premier. Donc, voyons voir ce qu'on peut prendre. Une bannière auxiliaire tous les 3 tours. Ça me paraît pas mal quand même. Revenus des bâtiments principaux, ça c'est mieux. Matière première, production de matière première. Je pense qu'on va partir sur la matière première vu qu'on va en avoir besoin. Et après l'armement. Ouais, je crois qu'on va partir sur la matière première. Machinateur. Je revendique ce poste au nom de mon clan. Voilà, hop, on produit un peu plus. Point de compétence? Ah ben oui, notre fameux... Je te donne un peu de taux de reconstitution. Notre fameuse caravane qui a bien survécu, quoi. Ok, donc là, vraiment, c'est pic du sabre. On va voir avec ces... Salut, King Oxton! Comment vas-tu? Ah, merci pour le raid. Excuse-moi, j'ai pas vu que tu m'avais fait un raid. Merci beaucoup pour le raid. Comment on va? On est avec les nains du chaos. Victoire décisive. On va... Ah ouais, mais il vient avec pas mal de Gnoblar. Ce soir, mange de l'ogre. Merci beaucoup pour ce raid et bienvenue à tous. Fais une petite présentation du DLC des Nains du Chaos. Hier c'était Zatan, aujourd'hui c'est Astragoth Main de Fer qu'on vient de commencer, hein, on est dans les premiers tours. Donc il n'y a que deux ogres. Deux unités d'ogres. Bon, les lions, il va falloir faire gaffe quand même. Les gnoblards. On s'est au taquet de gnoblards. Bon, mais ça va être gnoblards contre. Contre Fourbas Hobgoblin. Ah, mais c'est vrai qu'on est. D'accord, mais ils sont au milieu alors. Ils sont au milieu. C'est quand même de l'inter-infanterie, mais on va avoir besoin de vous ici. Non, moi je mettrai pas la fourbasse ici, justement. Moi je la mettrai par là, au milieu, là. Là, c'est là où il y a le plus dur. On va mettre les nains. Et en plus, il pourrait être aidé de tromblons comme. Ouh! Un peu de tous les, dans tous les sens, là. Comme ça, là. Ok. Donc, ça, c'est les. D'accord. Donc, j'ai besoin du taurus pas ici. Astragoth, tu viens par là. Et je pense qu'on va être bon là. On va voir. Ah
Alors je sais pas, mais ceux-là ils ont pris trop cher. Ils ont pris trop cher, les pauvres. C'est vraiment... Allez, viens par là, toi. C'est quoi, Guy? C'est le chef, hein? Hobgobla. C'est bon, ça, les Hobgobla. Non, mais même pas, on va même pas aller. Je pense qu'on leur a fait assez mal comme ça déjà, là. Bon, après, c'est normal, hein, c'était une embuscade aussi. Par contre, il y a des... Ceux-là, les pauvres, ils ont pas réagi. Hein. Les deux tromblons sont tombés dessus. Un tir de chaque. Et ils commencent à fuir, quoi. En fait, on n'a pas fait autant de dégâts que ça. Hein. C'est vraiment... on l'a submergé. Et... Mais bon, au moins comme ça, on sait déjà quelle armée il a. On sait que ça va pas être trop difficile normalement. Avec Noblar, 81, 80, 87 kills. En plus, ils ont une arme de G qui est vraiment pas mal. Un peu type Noblar, hein, en fait. Ça me fait penser. Ouais, ça me fait penser au Noblar Trapper. Là. Hop, Noblar. Sur basse. Étendard tranchant, ça va être pas mal. Est-ce qu'on prend un peu de reconstitution? Ouais, comme ça on repart à fond. Et on peut aller au pic du sabre. Ah, par contre, c'est bon. Là, on a du Norska qui s'en mêle. Alors, le convoi, qu'est-ce qui se passe? On ajoute une unité de mangeurs d'hommes. Point d'acier. Oui. Allez, c'est parti. Mais l'autre est mort? On l'a tué en fait ou... Non. Ah, que faire? Ah, mais là c'est... on peut faire la tour, ben, on va mettre la tour ici. Hein. Tours, c'est la capitale de province. Compétences. Alors, voyons voir. Propagation. Ok, on va mettre un peu de garnison quand même. Ce qui nous manque ici. Ouais, on va attendre pour améliorer l'usine. Ah mais du coup, il n'y a plus les... Non. Non. T'as là, t'as le regard de Nagash. Ah! Encore vous, monsieur Grimgore. T'as dû partir. Alors, voyons voir. On en a 60. Il m'en faut combien? 125.
Bon, allez, c'est parti. Ça, ouais, je voulais te demander, est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait que j'ai les alertes quand quelqu'un fait comme je stream, ben, comme je stream, tu sais, j'ai pas les alertes. Tête creuse. Ah ouais, tête creuse. Tête creuse, ça nous permet d'améliorer tout ce qui est. Alors bon, là c'est peut-être une autre limonade, Gauthier, là. Là c'est peut-être une autre limonade. Et lui il a les Dolgans. Ok, donc. On veut pas de soucis. On veut pas de soucis quoi. Là, je commence à améliorer ça. Ouais, Mastragot, tu vas rester et en fait tu vas venir par là, la pinacle d'argent. On va aller tuer de l'orque, là on va prendre toute la plaine. Bon, ici au moins on a pris la tour, ça nous fait une défense. Point de compétence pour. Ah oui! Me choper ça, toi. Ah, mais c'est parce que t'as fait ta. Vos convois de commerce sont finalement revenus de leur voyage à travers les steppes. Accueilli. Et ils m'ont donné un broyeur d'âme. T'es sérieux? De cinch. Avec la lame changeante. C'est quoi la lame changeante? Je vais peut-être Zorak. T'as quoi? Plus d'attaque en mêlée, ça te mettrait des attaques magiques et. Ouais. Voilà. Lui, il a déjà son état en étendard tranchant. Ah ouais, d'accord, c'est qu'il est revenu. Il est revenu de son expédition. J'avais pas fait gaffe. J'avais dit, il a chopé comment le broyeur d'âme là? S'il faut régler tout ça, j'ai fait un tuto sur le Discord, je te l'envoie, ok. Parce qu'en fait, ouais, depuis le temps, j'ai pas les. Donc, bon, je check quand même. Mais des fois, c'est vrai que ça peut passer à travers sans que je m'en rende compte. Mon collègue, il est parti. Nous, on va partir aussi. On va pas le titiller. Ouais, mais je pourrais en envoyer un autre. Donc là, il va falloir faveur des gobelins. Ah, excusez-moi une seconde. Je crois que. Excusez-moi, j'attendais personne, mais bon. Alors, hey, Hobgoblin, j'aime bien. Bien, Hobgoblin, là, c'est Ogre. Il me donne deux Ogres. Ouais, il a la faveur des Hobgoblins. Karazmonger. Sauf que t'as plus. Si, on a de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais. J'avais bien entendu. Alors, excusez-moi une seconde.
Excusez-moi. C'est bon, c'est réglé. Alors, main d'œuvre, qu'est-ce que t'as? Bah, moi, j'aimerais bien avoir aussi un peu de. Allez, on peut pas aller chercher de l'armement là, ce que je vois. Il y a de la thune. Il y a de la main-d'œuvre. Il y a de la ressource. Tu vas aller à la forêt hantée, toi. Allez. Ramène-nous de la main-d'œuvre, de toute façon. Ramène-nous de la main-d'œuvre. J'irai voir après Alfie sur le Discord. Donc eux ils se sont retirés. Ici comment ça va? Je pense qu'on peut faire de même. Donc pinacle d'argent. Ouais. Même par là. Personne qui a rien fait pour l'instant, ça c'est bon. Un peu de diplomatie, donc on a toujours les scavens. Ok, ouais, mais je pense qu'on va aller sur le pinacle d'Argentet. Ça me dit bien, ça c'est quoi les sœurs Lamiane? Mais on va aller leur rendre visite. On va aller leur rendre visite. Ah oui, ça c'est les icônes qui m'indiquent si c'est une usine, si c'est un fort, un poste avancé ou si c'est une tour. Parce qu'avec les nains du chaos, quand vous prenez une ville, vous aurez plusieurs... enfin deux ou trois choix de construction. Pillard au pied du mur. Donc soyez en guerre avec les Dolgan. Ouais, je préfère continuer mon petit délire par là. Ici on a Zarnagrun, donc ouais je vais prendre ce qu'il y a en face. Hein. Ouh, on a. Donc, c'est du squelette. Mais bon, quand même. Bon, ça se trouve, on leur fait mal. Hein. Donc rien, toujours rien, non. Donc ouais. Alors, ce que je vais voir, c'est les sœurs... Makazia Faumansi, Kualuma, les Generals. Ista Kazak, Asumor Angaz, Lok, this night. Ok, ils sont en guerre justement avec les orques, ça nous va bien, en vrai. Donc prochain tour, je vais déclarer la guerre, je me mets en embuscade par là, voir s'ils bougent, s'ils sortent cette armée de squelettes. Et on va prendre le pinacle d'argent, et après on attaque les orques. On va essayer de prendre toutes les terres sombres là. Alors les têtes creuses, c'est fait. Et on va leur déclarer la guerre. Yes, you reek of anguish or hopelessness. On va voir c'est qui va rigoler. Alors. Entraînement varié, coût en armement, coût de recrutement et rang. Ou loup affamé. J'ai pas de loup, on va faire l'entraînement varié.
garder l'argent. Alors, voyons voir comment réagissent ces squelettes. Ouais, ça, je demande à voir. Ils vont rester là-bas. Là, hein. Là, si j'attaque... En fait, si c'est que du squelette, ça va. S'il y a des gardes des cryptes, ça va être un peu plus compliqué. C'est qui ça? Mais c'est Katai. C'est Katai avec sa caravane, toujours au milieu. Ah non, ah non, pas toi. Ah. Bah tu sais quoi pour l'instant? Je te l'accepte parce que tu me couvres le nord. L'armée a reçu une peste, non. Ah ben ouais, t'es en train de passer près de Kugat là. T'es en train de passer trop près de Kugat. Ici, il n'y a pas eu de changement. Faut vraiment que j'arrive à les prendre séparément. Hein. Ouais, parce qu'après on ira sur... ouais, c'est ça, le désert flétri, là. Ça sera pas mal, ça. On va voir s'ils veulent bien bouger au moins une armée. Ouais, mais... Ah, je crois que je suis trop près, du coup. Et je viens de capter, là. Des factions. Enfin, était sorti avec la grosse armée. Dégâts perforants, c'est qui pourrait. Mais ça va, ouais. Hop, on récupère tout comme ça, voilà. Et là, on peut mettre le siège au pinacle d'argent. Quête émise. Les ateliers démoniaques, ça va nous donner le manteau de pierre et de l'influence du conclave. Homme de discorde. Tant que c'est gratuit. Anneau d'épine. L'autre, il vient de me choper l'anneau d'épine. Ça, c'est renvoi des dégâts à l'assaillant. Ça peut être pas mal pour Astragoth, ça. Et désolé, les gars, mais j'enlève... Oh, on a pas mal de main d'œuvre. Ouais, parce que Kiki, il a dû revenir, effectivement. Il a dû revenir, donc on va envoyer lui. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'il t'irait pas chercher un peu de... Elle a volé, c'est que c'est facile là-bas, hein, prendre... Ah bah, essaye de monter là-haut, voir si tu peux prendre cette fois-ci un peu de matière première. C'est vrai ça que... On va enlever, on va mettre pour l'armement là. Allez, améliore-moi la tour. Alors, monsieur Zorak. Petit niveau de plus, voilà.
On va assiéger, je pourrais même la faire en auto, je perds aucune unité et tout, mais Pyrrhus, je veux accélérer un peu le mouvement pour aller sur... C'est quoi comme tribu ça? Les molaires qui baignent. Donc voilà quoi, on va aller sur les molaires. Donc ça c'est fait, point de compétence. Ah oui, monsieur est revenu. Déjà tu veux mes réserves cachées. Amélioration de bâtiment. Ah oui, bon ça on va attendre. Donc pinacle d'argent. Coucou. I am the Slayer King. Coucou cousin. C'est vrai que c'est ouvert là. 6. Ah, to die in battle. Ready for bossing. Mon pauvre Astragoth, il y a tout ce qu'on n'aime pas. Les nains, les orques. Test me at your peril. Il y a le cousin, quoi. Je crois qu'hier j'ai fait une bataille contre les nains. Il me semble. C'est plutôt bien passé. Les orques, pour ça ils viennent là et ils sont en guerre contre eux, donc je vais être OP pour quand. Déjà on passe à la victoire de justesse juste avec une tour. Je pense que avec une autre tour on est bon. Ah oui, par contre ici tu me mets ça. Donc là c'est fait, loup affamé, sorcellerie, corruption du chaos, ouais, sorcellerie, corruption du chaos, plus 2. Alors, 66, je pense qu'au prochain tour, non, ah 2, 1, là ça. Mais il n'y a pas de mine, c'est parce qu'il y a ça, il y a le pâturage. Mais bon, il faut mettre la mine quoi. Ouais, prochain tour, on prend le pinacle d'argent. À voir si ça grandit, mais il y a du monde là, Katai qui est partout. Bon après j'aime bien cette mécanique hein. Qui soi-disant passée est reprise par les nains du chaos pour les convois. Sauf que bon, les nains du chaos, ils sont pas aussi gentils, ils vont pas faire du commerce. Eux, c'est en style razzia quoi. Je vois vraiment le style comme ça. T'envoies des petites armées faire des razzias, prendre des matières premières ou de la main d'œuvre, des esclaves quoi, pour faire marcher la grande industrie. Votre rival s'est emparé d'un siège. Ouais, ben moi, prochain tour. Non, mon rival s'est emparé de 2 sièges. Ah non, ça c'est chacun. Ok. On veut se la jouer comme ça. Ah, Victor décisif. Voilà, et encore comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire une tour.
Ouais. Récupérer, récupérer. Parce que 10 déjà, on va améliorer ça. Le torque là, je vais voir ce que c'est là, je me souviens pas de ce que c'était ça. Nuage de cendre, ouais. Ah, celui-là, je l'ai déjà, alors on va l'améliorer. Alors, toi, c'est capacité passive, sortilège zone. Sur les unités volantes. Au moins. Donc, je vais améliorer la défense. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'on fait un gardien du temple? Est-ce qu'on a fait un... Non, agent efficace, non. Alors, ça serait charge meurtrière. Mais ça, la masse. Waouh, il gagne en masse, le mec. Bonus de charge, vitesse de charge, accélération. Et après, on pourrait améliorer son attaque et sa puissance des armes. Et gardien du temple, en fait, là, ça va nous... La résistance physique est fidèle. Et bien, on va faire charge meurtrière. Je vais en faire un falour quoi. Ok, donc deux tours tranquille, on se reprend tranquille. Parce qu'on va améliorer même les défenses. Bâtiment endommagé ou ça. Nickel. Alors, l'étendue dévastée. L'âme désolée de Draken et le roc hurlant. Voici notre prochaine conquête. Et bien sûr, il y a un détail qui m'avait échappé totalement. C'est que les nains du chaos, c'est du chaos. Et c'est vrai que là où je passe, tout... tout pourri, quoi. Tout flétri. Détail, c'est vrai, ouais. Là, normalement, tout ça, ça va se corrompre petit à petit. Alors, préparation pandémie. D'accord. Donc ici, on attend un autre tour et on va être bon. On va pouvoir descendre par là, là. Sauf que monsieur est passé de l'autre côté. Ah, mais il le poursuit. Il va le poursuivre. Oui, mais il va falloir faire gaffe. Garde du corps des reins. Ou l'avenir des Dawizar. On va partir sur l'idée de l'embarcadère. J'ai pas encore de... Mais c'est surtout celle d'après qui m'intéresse. Normalement la tour, ouais, est accessible là. Alors lesquels ils ont pris? Armement par tour. Ah, il m'a pris la... Bah tu sais quoi, on va prendre la reconstitution. Allez, zou. Voilà. Allez, on va sortir. Donc ça c'est bon. Donc ici, ok. Prochain tour,
Ben, on voit ce qui se passe avec ces orques là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que Ungrim va les... Alors, Glacius. Non. Ah, tu me déclares la guerre, mais t'es où toi? T'es super loin là, Glacius. Ah, mais c'est que tu m'as vu par une caravane ou quoi? Et le mec, il est super loin. Je te laisserai pas faire, Glacius. Voyons voir ce que fait l'armée là, orc. Donc ok, je crois que là ils sont allés définitivement achever les sœurs Lamiane. Donc des fouloirs, ça c'est bon pour toi mon petit coco, ouais. Such a thing is impossible. Eh non, ils n'ont pas pu tout à fait... On est à combien? 25, ok, ouais, bah, avance. Hop là, je voulais te voir de plus près. Il faut juste que j'attende là, il n'y a rien à construire. Non, non, il n'y a rien. Donc, d'accord, bah, on va checker voir ce que fait cette armée là, parce que là. Je sais pas si je vais pouvoir l'arrêter au pinacle d'argent. La Légion du Chaos. Ah oui, c'est vrai que c'est mon convoi. Qui est parti de là-haut tout dans le nord prendre de la matière première. Back. Alors back. Non, pas avec des scaven. Quand même. Bon, tu vas fuir, t'as pu mon convoi acheminé. Donc un élu de Slaanesh. Et pique est rayonnante. Alors là. Fait plaisir, parfaite vigueur. Hop, c'est bon, tu vas jamais te fatiguer, mon gars. Donc c'est bon, ils ont fini avec eux. On va essayer de les provoquer là en bas. Ça va être un peu le bordel là ce que tu vas faire, Woody. Don't mess with me. What's your message? Affût de réfugiés. Moins 10 d'autorité ou ça? Ah d'accord. Alors là, petit poste avancé. Abatteur d'orc. Et on a les chevaucheurs de loup. Sous la roue. Gandmar Abdarnou. Doglakan. Le grand Khan des Hobgoblins. Petite compétence. Alors toi, on va te faire voir rouge, hein, mon petit coco. On va te faire voir rouge. Ouais, tu vas accepter de la main d'œuvre là. Bah alors, il faut faire attention. C'était qui ça? Oui, c'est le... C'est la caravane. D'ailleurs, t'as plus de thunes...
pas. On va ramener moi au moins ça. Là, on va avoir besoin de main d'œuvre. On est à combien de main d'œuvre là? On est à 1000. Donc, il y a. Attends. Donc des actions de main d'œuvre, d'accord, ça c'est quand il y a pour gérer son surplus de main d'œuvre. Mais bon, la main d'œuvre ne cesse de descendre. Alors je voulais voir ici autorité. Bon, ben, on est à moins 10. Oui, d'ailleurs, on est à moins 10. Pendant combien de tours là? Ah, il y a trop de main d'œuvre. On fait un exemple, hein, voilà, quick. C'est bon, il n'y a plus trop de main d'œuvre. Quantité de main d'œuvre, si, si, encore, hein. Mais bon, ça va descendre, ça va descendre. Allez, quick, on en fait des exemples. Au moins comme ça, les autres. D'accord, donc un excès de main d'œuvre. En fait, ouais, ils appellent ça main d'œuvre. En fait, c'est des esclaves. Donc un excès d'esclaves peut faire des rébellions, quoi. Mais en fait, ouais, ce qu'appellent les nains du chaos main d'œuvre, c'est tout simplement des esclaves de tout type. Tour de Zar, cruauté de Zatan. Ah, encore! T'allais me pinganer un autre là, ouais. Fourneau plus haut. Allez, allez, on y va. C'est quoi ça, coup de construction? Non, on va attendre encore. Ah, mais à chaque fois vous me le faites. Et... Non, mais c'est bon, il est fait le contrat. Eh, les Dolgan, ils sont là, ils sont chauds là, les Dolgan. J'ai envie de vous mettre un prototype de méga mortier là. Portée de déplacement de campagne, moins 15% pour les armées ennemies débutant leur tour dans cette région. Capacité d'armée, batterie, tremble et froid. Toutes les armées dans les régions locales et adjacentes. Nombre d'utilisation de capacité de l'armée, plus 1 pour batterie, tremble et froid. Toutes les armées dans les régions locales. Bon, on va se centrer pour construire ce prototype de méga mortier là. Apparemment, ça peut nous aider ici, dans toutes les adjacentes, mais pas ici. Il faudrait en faire un autre ici. Ou tu fais ton canon prototype ici. Non, mais... Ça me plaît bien. Canon, là, qui peut... En fait, je pense, voilà, ça va, il va couvrir toute la province, quoi. Style un peu les arches noires des elfes noirs qui elles bombardent, on va dire, les côtes. Et là c'est un peu pareil, sauf que bah, c'est un bâtiment, c'est à l'intérieur des terres. Mais bon, le coup des provinces adjacentes, ouf. Peut-être un peu fort, hein. Ils sont peut-être y aller un peu fort là. Alors par contre, voilà, ils sont là. Le Pinacle, comment tu vas? Je suis sûr que le Pinacle est là, il pourrait tenir. Il a pas spécialement des trucs de ouf.
This hasn't encore. Ital and Dringi. Kubelu Faskard. Alors, assaillant, c'est bon. Is an hasut anoku. Ici, on était parti sur quoi? Tempête de feu. Ici, on va se mettre la tempête de feu. Oh, c'est bon, ça se régule. Ouais, ça se reprend là. Là, je suis pas sûr qu'il puisse la prendre. Hein. Donc, on va aller sur le roc hurlant. C'est quoi ça encore? Les gloutons, les terres des loups. Terre des loups. Mais il y a de l'orque aussi qui arrive par là. Il y a Grimgor. Grimgor qui va vouloir. Ah, ben oui, c'est sûr même. Il va vouloir venir m'embêter. Les orques noirs, quoi. Eux-mêmes qui ont été créés par les nains du chaos d'ailleurs. Les nains du chaos qui voulaient une race très très forte, capable de travailler beaucoup beaucoup beaucoup. Ils sont arrivés à créer les orques noirs. Sauf que, bien sûr, comme toute création un peu trop forte, elle s'est rebellée. Et alors, contre Kataï. Un bienfait d'Ashut. Ah, merci Ashut. Ashut, mais donne-moi de l'influence du conclave. Comme ça, je choisis colonie assiégée, rang obtenu. Alors, 2 secondes. On va choisir ici. Revenu généré par les bâtiments principaux, c'est pas mal ça. Et ça, les nains du chaos, les guerriers du chaos et Norska, droit de douane. Le consul. On va peut-être partir sur ça, voir si on peut, voilà, améliorer. Moi, ce que je veux, c'est du commerce. En gros. Donc, je pense qu'on a bien fait là, d'améliorer ça. Donc, c'est quoi ça? Mais, ils sont deux. Oui, mais ils sont deux, mais là, c'est dévasté. Quand même. Pas exagéré quoi. Allez. Viens par là, il en reste que ça, mais l'armée est passée là-haut, ok. Pinacle d'argent, tu vois, ils ont dit, ah, peut-être un peu trop chaud là. Donc maintenant, il faut attendre un peu pour améliorer. Oh! J'en ai 4. Gandar, un grand-mère Pétou. Get a more cascada!
Le glaive ardent. Assermenteur inferno. Alors ce que je vois par contre, s'ils sont pas trop marteaux quand même, les nains du chaos, hein, ils sont plus haches bien tranchantes quoi. On va le garder cet armement. On va le garder cet armement. Je vais le garder, ouais. On n'a pas besoin. Parce que hier j'ai vu que les unités naines, je crois, sont limitées dans les armées. On peut en avoir que 5 ou 6. J'en ai 6, donc ça doit être la limite 6. Après, faut avoir d'autres trucs. T'oblige à prendre d'autres unités. Donc, ok, il part sur ici. Ah, c'est mieux pour lui quand même. Sous la roue. Bon. On va prendre celle-là et on remontera après. Et t'as rien gagné cette fois-ci? Tu ramènes rien? Non, il ramène rien. Je pensais que c'était systématique, mais en fait non, pas du tout. Alors, donc, non, petit, tu t'es trompé de bouton. C'est là. Ah oui, mais je peux pas envoyer, il lui reste un tour. Donc le prochain tour, on envoie un convoi. Ok, regarde un truc. Combien de main d'œuvre? 204, combien de main d'œuvre? 651. Après, il va falloir faire gaffe à cette orque. Ici. Ville des marchands. Ok. Ah non, mais je crois que Grimgor au final il est. Indeed. Je sais pas s'il poursuivit une caravane ou quoi. Ou... Ok, bon, comme ça, prochain tour, on prend le roc hurlant. Alors, juste une petite seconde. Il va falloir que j'aille aux toilettes. Mais il vient fort et nous on a pas grand chose. On va voir ça. Sont les créatures les plus infâmes et perfides de leur espèce et raffolent des déchaînements de violence inutilement sadiques sur le champ de bataille. Les égorcheurs hobgoblins. Eh bien, on va voir. Bon, il y a pas mal de gobelins en face. Hein. Hobgoblin!
Ouais, pas sur les gobelins, plutôt sur les orques. Et fais gaffe. Ou Zigouillard par exemple, tu vois. Ah non, tu veux vraiment me dégommer. Voilà, sur le Zigouillard. Venez par là, là. Bougez, 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 mais là on prend cher là. Aïe 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 aïe. Ah, va falloir monter là, leur apprendre. Non mais tuez tout le monde. Enfin tout le monde. Tout ce que vous pouvez. Focus sur mes archers. Ah mais là ça n'a pas tenu. Je suis pas sûr que ça tienne là. Ouais, ça n'a pas tenu. Allez, faites-les souffrir au moins là. Eh ben, je crois que il y a eu un petit souci, petit crash. Ah! Bon, de toute façon, ben là, je vais. On va la faire en auto, je veux dire, pour aller avancer un peu plus. Je sais pas, j'ai senti, ça fait plam. Allez hop. Au revoir. Bonjour. C'est bien aussi. Petit crash quoi. Pam. Peut-être parce qu'il est chaud, je sais pas. Et là, il fait chaud ici.
J'imagine qu'il va me remettre au... Je crois que j'ai sauvegardé, non? Il me semble, hein. Ah non, mais c'est sur le tour d'avant. Ok, bon, on va passer le tour. Il va venir nous attaquer. Je pense que bon, je vais la faire auto. On va prendre la ville du sud et on repart vers le nord. Et ah oui, ça c'est des trucs pour les vampires, c'est vrai. En fait, au lieu de prendre les... d'aller taper les ogres, j'aurais dû descendre directement, je pense. Ils l'ont pas occupé? Non, apparemment non. Les obliger, hein. Ok. Tiens, va mettre les autres gobelins là pour l'instant. Alors, bon, on est arrivé. Qui toi? T'as un ogre, toi, non? Ouais. Il va falloir remonter là-haut. Des quotas plus élevés, les gars, des quotas plus élevés. Convoi disponible. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Donc, on va envoyer. Il me faut de la main-d'œuvre. Chercher de la main d'œuvre là-bas. Allez, va me chercher de la main d'œuvre là-bas. Là. Des hommes de l'Empire. Je peux en avoir déjà deux, donc c'est pas mal. Bon, mais il va falloir qu'on remonte là-haut, quoi. Parce que là c'est sûr, l'or qui va, il va nous capturer la ville. Ça nous fera déjà deux provinces entières, hein, quand même. Deux provinces entières plus une capitale. Après, on est juste à côté là, pour aller taper les cousins. Donc, j'imagine que ça, c'est des scavens qui sont là-haut. T'attaques qui, quoi, où? Victoire à la Pyrrhus? Ah, mais t'as craqué là. Enfin, craqué, mon gars. Faction détruite. Gordus le sournois.
Ben voilà. Alors. Ah ouais, mais j'entends bien, ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce que je pourrais enlever là pour mettre... Allez, Gorduse. Désert flétri. Pas encore ça. Je vais mettre une mine ici. Pour l'instant. Alors. Tour de Gorgoth. Mais ça, t'es qui toi? Suzerain de Sardoc. Alors. Ah, ça c'est pour les convois, c'est pas mal ça. Ok, conclave, pas encore. Non, ce que je veux voir c'est ça, voilà. Vargras, Uzungaka, Grumbaki, Elgram. Bon. Ce qui veut dire qu'on va aller... au sud. Putain, mais viens ici voir les ogres là. En plus, il y a personne là. Bon, bah tu vas aller prendre ça. Tu vas aller prendre ça. Donc au nord, ça se passe bien. Ok, on est pas mal là, on est pas mal. Alors, niveau, c'est vrai là, il faut que je regarde. Non. Ah. Enter then. Are you after a drink? A fist fight? No delay. For Kalos. Northmen come. The over tyrant. Ok, donc ça, ça a été fait. Technologie recherchée, ça, ça a été fait. Elles sortent un peu en retard, les events là. Ouais, et on va aller attaquer ce monsieur là. Qu'est-ce qu'il y a? Le croc du démon. Ah ouais, on va prendre tout autour de la plaine de Zar. On a Zorn Uzgug, on a le désert flétri, on va prendre la terre des loups. C'est parti, let's go, allez. Hop. Alors, rencontre de convoi, le maître des bêtes, convoi de Ticus, ok. Ajout d'un mammouth? Ouais. Quand même. On lui met un petit mammouth. Donc là, on va aller attaquer. Qui est ce monsieur? Bah t'as rien à faire ici, mon gars. Allez hop, t'as rien à faire ici. Si c'est chez Wam. Les portes de Zar en plus. Alors, compétences. On était parti sur quoi là? On était plus sur ça.
Anoth Opti. Toi, mon petit hobgoblin. Reconstitution des troupes. Aula, défense-moi. Une mine, mais ça va pas t'avancer à grand chose. Ah, une mine ici, ouais. Hop, petite mine ici. Ça, c'est bon. Donc l'armement, ben, on le garde hein, pour l'instant. C'est quoi ça? Tu vas aller prendre ça? Je veux pas le prendre, je vais le prendre moi. Trop du démon. Bon, ben, on est pas mal, on est pas mal. Allons voir. Bon, et petit à petit, hein. On améliore notre relation avec le chaos. Alors, rencontre de convoi. Ouais, mais là, eux, ils les tuent, là, avec tout ça, là, là, ils doivent les tuer. On va prendre le raccourci. Exactement. Ouais, mais c'est que... quasiment que de l'esclave, ça vaut même pas la peine. Ça va fuir. Alors, détournement. Un commandant s'est approprié un grand nombre de travailleurs à des fins personnelles. Une telle action est à minima présomptueuse, au pire de la haute trahison. Bien qu'il possède trop de relations haut placées pour être tué sur le champ, nous devrions au moins nous assurer qu'il travaille pour nos objectifs en le transférant. La question est donc de savoir où l'envoyer. Main d'œuvre ou tout en bas de l'échelle? Sur le front. Allez. Ah ouais, carrément. Là, on peut même pas savoir. C'est une embuscade, quoi. Même par là. Avec tes jambes mécaniques là. Alors ici tu continues à voir rouge, mon petit gars. Un objet magique ou talisman. Tous les trois tours. Ou une bannière aléatoire. Ou un disciple. Alchimiste noir. Yes. T'es où? Ok, parfait. Comme ça, prochain tour, on prend le croc du démon. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un collègue nain du chaos, normalement.
La wag réussit, oui. Alors, voyons voir, il y a peut-être des rats hein, là-dedans. Ouais, tu vois. Le bâton interdit. C'est qui? C'est Rictus? Je suis sûr qu'il est de l'autre côté. Récompense de la tour, d'accord, je l'ai eu déjà. Ok, t'inquiète. Je vais m'occuper du rictus, moi. Alors, corps en basalte. Les magies. Maître du conclave, relations diplomatiques. Ok. Architecte du mal. Dégâts des armes perforantes plus 10, ouais, pour les haches en tortoreau. Moins d'entretien pour eux. Intelligence redoutable. Objet de sort, colère ardente. Seigneur infernal. Ok. Et sacrifice occulte. Alors, compétences. Petite lame sanglante. Les barbes ardentes de Bazerac. Allez hop. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est qu'on avait un bâtiment pour nous, le croc du démon. Donc ça, c'est pour la tour de Gorgoth. Ok. Là, on a les sentinelles qui sont là. On va aller là. Les désolations d'Asgore. Économie de guerre, non. L'avenir des Dawizards. Chance de trouver des objets magiques, plus 15%. Héros recrutable, plus 1 pour les sorciers artisans démoniaques. On est pas mal. Ah, Rictus qui était ici, quoi. Alors, quelle heure il est? D'accord, bon, il va être bientôt 7h30, donc on va faire un ou deux tours de plus. Et on s'arrêtera ici. Donc voilà, c'était la petite présentation... d'Astragoth pour que vous puissiez un peu voir le gameplay des nains du chaos, les unités. Donc j'ai, bon, moi j'ai décidé de faire Empire Immortel. Je pense que c'est la campagne que qu'a le plus de joueurs. Même comme ça, il va falloir que tu reviennes là. Ok, avec les mécaniques, donc voilà, du conclave, les mécaniques armement, la matière première, donc après il y a ça, l'économie de la main d'œuvre, ça c'est son efficacité, donc l'argent classique. Donc on a aussi la forge de l'enfer, système qui ressemble assez à... le système de Torox, voilà, que j'arrivais pas, ou des hommes bêtes. Donc là il faut gagner de l'armement et on débloque les unités correspondantes. Plus on en débloque, je pense qu'en plus, ouais, effectivement ça nous donne des bonus. Donc voilà, plus on va débloquer, là par exemple moi j'ai débloqué capacité passive frénésie, ça les débloque pour la manufacture. On peut mettre ses capacités sur les unités qu'on veut, bon bah infanterie, lance-projectile, etc. Par contre ça nous va, ça nous, ça a un coût sur l'armement, sur chaque unité. Par exemple là, pour une unité ça nous coûte 8 d'armement, comme on en a 5, en fait en tout ça nous coûte 40. Mais bon c'est pas mal, on peut leur mettre des capacités.
Il y a la tour de Zar. Donc c'est une espèce de compétition avec les autres nains du chaos. Donc on gagne de l'influence. On choisit après son siège. Si j'ai bien compris, ouais, c'est des sièges, c'est ça. Donc qui nous donne des bonus. Par contre, il n'y a que du bonus. Donc il faut monter, monter. Le dernier va nous permettre de confédérer les autres nains du chaos. On a une mécanique aussi de convoi militaire qui en fait est pour aller chercher de la main d'œuvre ou de la matière première ou de l'argent. Parce que j'ai pu voir aussi des fois. Système assez similaire aux caravanes de Katai. Bon, ben après, les technologies divisées en trois. Militaire, sorcellerie, industrie. Il y en a certaines qui vont avoir un coût en matière première, à ce que je vois, en influence du conclave ou en armement. Voilà, en gros, c'est les mécaniques. Oui, c'est les mécaniques des nains. Hein. Donc, à faire attention. Donc, voilà, quand on prend une ville, on peut en faire soit un poste avancé. Poste avancé dans lequel on va pouvoir faire des mines et dépenser notre main d'œuvre. En contrepartie, ça va nous donner de la matière première. Matière première qu'on peut dépenser ailleurs. Et l'autre bâtiment est l'usine. Dans l'usine, on peut faire des ateliers de mineurs et des orpailleurs, des fabriques d'armes à feu, voilà, qui va donner de l'armement contre de la matière première, justement. Voilà, pour équilibrer le tout. Sinon, système assez de construction classique. Diplomatie, bon ben rien de particulier, c'est une faction du chaos, donc on va bien s'entendre avec les factions du chaos. Le commencement, ben on a vu ici Astragoth, Zatan qui est par ici, à côté de Katai. Donc Zatan était plutôt un seigneur au cac pour la mêlée. Astragoth, pas mauvais en mêlée. Mais plutôt magicien, quoi. Si j'ai bien compris, c'est lui le grand boss des nains du chaos dans le lore. Donc voilà, on a un peu vu les unités, des unités guerriers nains du chaos avec leur allié Hobgoblin, même les esclaves gobelins et orques. On a vu un peu les bestioles, le grand taurus, le lamessou. Les hacheurs centaures. Bon, il restera les Kadai. Les Kadai que j'ai pas pu voir, c'est les esprits de feu. Les Kadai, les tromblons. Unité très efficace. Très très efficace même. Et voilà, en gros, voilà, c'est un peu ça. Bon, il y a d'autres petits trucs que je vous laisse découvrir. Mais voilà, en gros, c'est ça, les nains du chaos. Bientôt, le jeudi, si je dis pas de bêtises, à partir de 16h, vous pouvez le prendre sur Steam. Je crois que si vous le précommandez, vous avez 10%. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Astragoth, le commencement dans Empire Immortel. Donc voilà, c'était Astragoth. Astragoth, le boss des nains du chaos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était GothiTW. Nous, on se retrouve mais peut-être entre semaine, je sais pas, je pense pas. Je pense qu'on va se retrouver dimanche prochain pour continuer avec notre campagne sur Attila. On va peut-être bientôt la finir d'ailleurs. Comme ça, on commencera une sur Charlemagne. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous, un bon lundi de Pâques. Passez de bonnes fêtes ceux qui sont en vacances. Et comme j'ai dit, nous, on se retrouve dimanche prochain. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Et bonnes vacances, ciao ciao.